Comment allez-vous aujourd'hui? Bon, c'est l'heure d'ouvrir mon colis Ninon. Oui, bon, c'est ma petite commande de chez Ninon. J'ai trop hâte de l'avoir. Je m'attendais à la recevoir demain. Et en fin de compte, j'ai reçu aujourd'hui, donc je suis trop contente. Et vous allez être contents aussi, je vous le promets. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ma commande? Bon. Si vous me suivez, vous savez déjà tout ce qu'il y a. Si vous suivez dans les vlogs ou dans mes lives, vous savez déjà ce qu'il y a dedans, hein, puisqu'on en a parlé. Mais j'ai trop hâte quand même. Donc, comme toujours, super bien emballé. Oui. Bon, on a tout ça. Alors, on commence par Prima. Alors, j'ai acheté le lot de 3 cadres Prima. On va pour faire des petites décorations. Franchement, je trouve juste génial. Je m'attendais à plus grand parce que j'ai pas regardé la dimension. Et sur les photos, je m'attendais à un peu plus grand. Mais franchement, j'ai trop hâte. J'adore les couleurs. Et vont aller super bien avec les fleurs. Donc voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris des fleurs Prima. Hop là. Voilà. Donc, ce sont la collection de Diamond. Donc, voilà, elles sont juste trop belles. Les couleurs, elles vont changer, elles font africain et j'adore en fait. C'est un thème que j'ai pas encore scrappé et voilà, et je me dis que ça pourrait toujours plaire sur la boutique. Et si un jour on est déconfiné, je vais pousser ça. Et je me dis que si un jour on arrive à être déconfiné, qu'on peut repartir en vacances ou en voyage, eh bien j'aimerais avoir... J'aimerais un jour, si l'avenir dit qu'on peut aller passer quelques semaines, on va dire, en vacances chez mon frère qui habite à Dakar. Donc du coup, voilà, ce sera toujours, même s'il n'est pas vendu en boutique, que je l'ai encore à cette époque-là, pourquoi pas mettre des photos de Dakar dedans. Donc voilà. Ouais, mon frère est parti assez loin, j'avoue. Pour aller avec, et bien du coup, j'ai pris, hop, ici, donc, les die cuts. Je vous montre un peu comme ça. Les die cuts, mais épais, vous savez, cartonnés. Courage. Et en plus, c'est écrit en français. Mon family time, non, mais là, courage, oui. Donc, voilà. J'ai pris les petites comme ça. Hop là. Et ici. J'ai trop hâte de le scraper. Ah ouais. J'ai trop hâte. Il est juste. Voilà. Franchement, ça change. J'ai trop hâte. J'essaie juste d'ouvrir parce que vous voyez, les papiers sont bien emballés dans de la bulle, comme toujours. Hop, j'ai des balles. Et voici le bloc 30-30. Bon, il n'est pas donné. Hein. De toute façon, je vous remettrai les petits prix dans les i. 22 euros le bloc. C'est le prix Prima. Hein. Là, je cherche mon cutter et il est là. Hop. Et voilà. Et du coup, regardez-moi. Il est juste trop beau. Vous voyez le feuille parce que ça... Il est trop beau. Franchement, ça va me changer de mon style habituel. Et là, vous voyez avec le feuille, il est juste trop beau. Là, dans les tons verts. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Ici. Et très peu de papier ont ce thème là et franchement là pour faire des cartes, j'adore. J'imagine déjà un album comme ça, pas trop épais, pas trop de photos non plus. Ah ouais, pourquoi pas en portfolio. Là franchement j'adore,
je kiffe. Ouais, un petit mini. Pas les gros comme je fais, mais ouais. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris... Hop là, hop là. Donc, trois blocs Little Girl. Donc, on va ouvrir ensemble pour voir les papiers. Désolée, je fais du bruit. Hop là, donc, dans ce sens-là. Donc, voilà. Alors, au départ, je voulais du vieux rose pour mater, mais en fait, peut-être pas. Non, peut-être pas du vieux rose parce que ça va faire trop rose. Il y aura du craft, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, je suis accro au craft en ce moment. Donc ça reste le même style que le Little Boy, sauf que bah, là c'est la Little Girl. Elle fait un peu plus mûre que le petit garçon. Là, non, elle fait plus bébé. Là. Hop. Donc voilà, donc ça c'est les Little Girls. J'en ai pris 3. Pourquoi j'en ai pris 3? Tout simplement parce que j'en ai besoin de 2 pour vous faire le tuto de l'album Little Boy que vous avez pu voir du coup sur ma chaîne, qui a eu un succès plutôt assez important. Vous l'attendez, le tuto, avec impatience. Donc voilà, ça y est, je l'ai, je pourrais le tourner une fois que j'aurai terminé celui qu'il y a en cours. Donc je vous mets dans le petit i ici le Little Boy pour que vous puissiez le voir. Donc voilà. Et j'en ai pris un troisième parce que j'ai un projet pareil qui va sur la naissance que je voudrais faire avec. Ça, vous en saurez plus tard. J'ai pris 3 autres Little Boy. Vous m'en voulez, je suis désolée, j'ai pris beaucoup. Mais je pense que Ninon, au jour où je vous fais la vidéo, donc on est ce mercredi 31, il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle les aurait, donc soit aujourd'hui, soit demain. Donc avec un peu de chance, au moment où vous allez voir cette vidéo, il y en aura encore en stock. Hop là. Mais s'il n'y en a plus, mettez la petite cloche et elle en remettra. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va re-regarder ensemble dessus. Hop là. Donc, le Little Boy. Donc, c'est pareil, j'en ai repris 3. Pourquoi? Parce que j'ai mis l'album photo en commande sur la boutique. Donc, les personnes qui souhaitent l'album photo, il est possible de le commander. Je le ferai à la commande. Donc, voilà. Mais bon, au moins, j'ai des papiers d'avance si jamais il y a besoin. Et le troisième, eh bien, c'est pour le même projet que j'ai avec le troisième bloc de la Little Girl, que je vais faire aussi dans une version Little Boy. Hop là. Hop. Donc, je dois dire que les Little Boy et Little Girl sont partis assez vite sur la boutique de Ninon, tout simplement parce que eh bien, au niveau du prix, Ninon bat la concurrence. Hein. Je vous rappelle que vous êtes nombreux à avoir dit qu'ils étaient à 11€ sur Amazon. Oui, mais 9,90€ chez Ninon. Donc quand on en prend 3, bah, ça fait quand même presque 2,10€. Bah, 2,10€ par 3. Hein. Voilà. Et pour aller avec, hop là, j'ai commandé. Hop là. Un paquet de die cut, donc un Little Boy, un Little Girl. Donc pour tous ceux qui voudront faire l'album photo en tuto avec moi, il vous faut du papier craft, il vous faut du 2 blocs de papier et un paquet de die cut. Et eh bien évidemment, moi je remettrai encore une fois mes étiquettes première fois et mes étiquettes bébé que j'avais fait pour l'album photo, qui sont toujours disponibles sur ma boutique. Et en cadeau, ma petite Ninon m'a mis ceci. Donc Charmed. Donc ce sont des petits cœurs avec des loves. Alors je connais pas du tout la marque ni rien. Metallic Printed. Donc voilà, on va ouvrir ensemble, on va regarder. Je demanderai ce que c'est exactement. Hop là. Ce sont des petites cartes apparemment.
faut bien mettre ça en cadre. Ah, et c'est, ah, follow you. Non, c'est follow me. Pour me suivre, follow me. Voilà. Ouais, merci beaucoup, ma petite Ninon. Je vais remettre ça dedans. Et bien évidemment, j'ai une petite serviette. Hop là. Voilà. Au deux. On ne saura pas. Ça fait penser à l'album Lavande que j'avais fait de Marc Stamperia aussi. Tiens. Donc voilà, voilà pour ma petite commande. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de Ninon. À mettre les petites cloches si vous voyez que les produits n'y sont plus. Quand j'ai passé commande, parce que j'avais mis la petite cloche pour les papiers, puisqu'il n'y en avait plus. Voilà, ça colle. Bravo, Marie. Il y en avait rentré 10 papiers. Bon, le soir même, il n'y en avait plus. Mais voilà, elle doit en rentrer. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Si c'est déjà reparti, mettez la cloche. Elle en rentrera très très vite parce qu'elle sait que vous êtes nombreuses du coup à vouloir le tuto. Donc n'hésitez surtout pas. Moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. I'll break down.